Salut à tous, c'est Planète Disneyland et pour commencer, évidemment, bonne année 2017 à tous. Et pour bien commencer l'année, comme il se doit, je vous ai préparé un petit agenda 2017 pour fans Disney. Évidemment, je n'ai sélectionné que les différents événements Disney qui ont eu lieu en France et comme chaque année, on commence par le mois de janvier. On commence tôt au mois de janvier avec dès le 9 janvier pas moins de 5 attractions qui partent pour de grosses réhabilitations avant le 25e anniversaire de Disneyland Paris. A noter donc Space Mountain Mission 2, Pirates of the Caribbean, Studio Tram Tour, Casey Junior le petit train du cirque et le pays des contes de fées. Mais pour pallier à ces nombreuses réhabs, le parc va vous offrir un événement de taille avant le 25e anniversaire, puisque le 14 janvier prochain démarrera la Season of the Force. Je vous prépare d'ailleurs quelques vidéos à ce sujet. En février, pas grand chose à noter, mis à part le retour du spectacle La Forêt de l'Enchantement au Chaparral Theatre à Disneyland Paris le 10 février et la sortie du nouveau Disney Nature L'Empereur de Luc Jacquet qui sortira dans les salles le 15 février. Le mois de mars, lui, est un petit peu plus chargé que le reste avec dès le 18 mars du très très lourd avec la réouverture de Star Tour L'Aventure Continue. Au cinéma, on pourra enfin découvrir la version live de La Belle et la Bête dès le 22 mars. Ensuite, la Season of the Force laissera place au 25e anniversaire de Disneyland Paris qui nous donnera l'occasion de découvrir la Disney Stars on Parade ainsi que Disney Illumination pour remplacer Disney Dream. Quant à Star Wars Hyperspace Mountain, aucune date n'est encore annoncée officiellement à l'heure où je fais cette vidéo. Évidemment, un mois d'avril un peu moins chargé, mais on pourra découvrir la suite des aventures des Gardiens de la Galaxie avec le deuxième opus du film dès le 26 avril au cinéma. Et sans oublier que le 12 avril, on fêtera les 25 ans de l'ouverture de Disneyland Paris, ce qui ne rajeunit absolument personne. Mois de mai, bien calme pour les fans Disney, mais très attendu puisque le 24 mai, on retrouvera Jack Sparrow au cinéma pour le 5e volet de la saga Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow, tu connais ce pirate? Seulement demain. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il tient rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie. Rien de prévu pour juin, alors on passe directement au mois de juillet qui, dès le 1er juillet, verra le retour tant attendu de l'attraction Pirates of the Caribbean à Disneyland Paris après une bonne réhabilitation. Le 12 avril, on pourra aussi découvrir les nouvelles aventures de l'homme-araignée dans Spider-Man Homecoming. Pour le mois d'août, un retour très attendu après la découverte de son alléchant trailer, le retour de Flash McQueen sur le grand écran avec Cars 3 le 2 août au cinéma. Là encore, rien de prévu pour septembre, mais pour octobre, le retour de la saison d'Halloween à Disneyland Paris sans date officielle à ce jour. Et la sortie de Thor Ragnarok sur les écrans de cinéma le 25 octobre 2017. Comme chaque année, pour novembre, on aura le droit au retour de la saison de Noël à Disneyland Paris et à la sortie au cinéma du nouveau-né des studios Pixar Coco qui sortira le 29 novembre prochain. «
pour le dernier mois de l'année 2017, on pourra assister au retour de la saga Star Wars au cinéma avec l'épisode 8 qui sortira en France le 15 décembre. Et voilà pour tout ce qui vous attend cette année 2017 du côté de Disney. L'année 2018, quant à elle, sera encore plus chargée, mais ça, on en reparlera dans un an. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous attendez le plus cette année. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne année remplie de magie et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants.